Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un cours de saut avec Pin-Up. Pendant ce cours-là, Pin-Up était vraiment très très en forme, c'était impossible de la laisser marcher calmement en reine longue. Du coup, entre les passages, j'étais obligée de la faire trotter, voire même galoper. Et aussi, vous verrez qu'on n'a pas sauté très haut tout simplement parce que c'est pas notre monitrice qui nous a fait cours, mais c'est une personne qui passe son monitorat. Et donc, vu qu'elle n'a pas encore le diplôme de monitrice, elle ne peut pas encore nous faire sauter haut. Enfin, haut. Vous m'avez comprise. Et donc, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, je suis simplement allée récupérer des Shetland pour les ramener à la barre d'attache pour les petits. Oui, mais en fait, il est trop petit, on le voit même pas. C'est un nom. Dans la vidéo, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle attache. On le voit pas, il est répliqué. Oh non. Pour les personnes que ça peut intéresser, donc le premier Shetland que vous avez vu au tout début de la vidéo, elle s'appelle Libellule, et le petit juste ici qui a les yeux bleus, il s'appelle Merlin. Après ça, je suis quand même allée voir Pin-Up, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc je suis allée la voir et je lui ai fait des petites gratouilles, et vous allez voir qu'elle était vraiment trop mignonne parce qu'elle me suivait partout dans le parc pour que je la gratte et lui fasse des câlins. Eh bah dis donc, faut pas être pressé. Allez. C'est bon hein. Elle est dégueulasse. T'es toute sale. Ah ouais. Elle est d'une propreté extrême là. Là on est sur un cheval très très propre, voyons. Très dégueulasse. Ah ouais. Oh là là. Dis, elle a du poids là. Ah bah ouais, là c'est. Mais le problème c'est qu'en fait, lui il faut leur poil d'hiver, mais vu qu'il fait chaud, bah c'est pas ouf. Elle se replace pour que je la regrette. Mais me rentre pas dedans non plus. Hein. Thank you.
Ensuite, vers 16h15, je suis retournée voir Pin-Up, mais cette fois-ci, c'était pour aller la préparer pour le cours. Ouais. C'est toi qui monte. Ouais. Ouais, bah oui. C'est cela. C'est très chatouilleuse, ma grande, quand même. Hein. Donc je n'ai pas filmé beaucoup la préparation, mais bon, c'est pas le plus intéressant de la vidéo. Et donc aussi, je m'excuse pour la qualité des images du cours, mais il commençait à faire nuit, donc forcément la luminosité a baissé. Bon, après on y voit quand même quelque chose, mais c'est sûr que c'est toujours un peu d'une moins bonne qualité que s'il faisait jour. Elle est où maintenant? Elle est dans le bureau. Elle est au bar d'attache. Elle est au bureau. Elle est là. Elle est pas contente. Elle est pas contente. J'ai juste le début. Débrouille-toi. Créole et Lyos. Ça, c'est les dyslexiques. Roxy, Rémier. Qu'est-ce que t'es dyslexique, Marie? Bon, les questions. Bah, je vais faire des dyslexiques. Lance-lui une boulette. Salut. Il y a pas papa, mémé. Tu vas aller voir. C'est Sarah. Oui. D'accord, vas-y. Viens. Dans toute sa splendeur et ta beauté. Bah, déjà, c'est très cher en réparation. Putain, moi, j'étais contente d'être. Non, mais comment ils ont eu mon numéro surtout? Bah, Eva arrive. Ah oui, il faut qu'elle y aille. Elle attend pour ramener. Sinon ça va. Ouais, sinon ça va durer encore. Voilà, prends les relais.
Encore, on n'est pas complètement en hiver. Hein. Mais ce qui est chiant, c'est que l'après-midi, c'est bon. On va aller là-dessus, derrière. Allez, vas-y, Léa. Ah, mais non, ça peut être... Il n'y a pas d'image après le cours car tout simplement Pin-Up a été remonté juste après moi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!